Tu as bien lu le titre, mais je rectifie. Les cours collectifs seuls pour 99% d'entre vous ne suffit pas pour atteindre vos objectifs, que ce soit la perte des graisses, l'hypertrophie ou avoir un joli corps harmonieux. Désolé messieurs, mais cette vidéo est dédiée un peu plus aux femmes et surtout les femmes qui font que les cours collectifs et qui sont un peu perdues. Donc, pourquoi j'ai précisé 99% d'entre vous? Car si tu pratiques un sport comme la course à pied, la natation, un sport de combat, de la danse, tu manges correctement et tu as la génétique qu'il faut, tu peux avoir un corps de rêve juste avec les cours collectifs. Sinon, tu devrais passer au moins une fois par semaine sur le plateau de musculation. Si ton objectif est d'avoir un joli corps avec un peu de forme, tu as besoin d'avoir un taux de graisse plutôt faible avec assez de muscles pour voir les formes. Au niveau conscient du muscle, les cours collectifs et peu importe les cours ne sont pas assez intenses pour stimuler les muscles comme il faut. Juste parce que ça brûle ou tu es fatigué et tu transpires ne signifie pas que c'est intense. L'intensité en musculation, c'est la charge. C'est la force auquel ton muscle se contracte pendant l'exercice. Puis le principe le plus important pour l'hypertrophie est la surcharge progressive. C'est-à-dire stimuler le muscle, le laisser reposer, laisser le corps s'habituer, puis le stimuler un peu plus à chaque séance. Déjà, appliquer ce principe sur le plateau de musculation, parfois n'est pas évident. En cours collectif, c'est pratiquement impossible de l'appliquer. Donc avec chaque cours, tu ne sais pas si tu fais plus. Tu travailles toujours plus ou moins avec la même intensité. Donc au niveau hypertrophie, si tu ne pratiques pas du tout de sport et donc tu es une vraie débutante, tu vas oui voir un peu de changement physique pendant les 2-3 premiers mois. Mais après, ta progression va vite stagner. Si tu n'essayes pas de faire un peu plus, d'augmenter la difficulté. Et pendant un cours collectif, tu ne peux pas vraiment augmenter la difficulté. Tu peux juste augmenter le volume, faire plus de séances. Tu as bien compris maintenant que si tu veux avoir un peu de muscle, donc un peu de forme, les cours collectifs ne sont pas les bons moyens. Mais alors si tu me dis, oui, mais mon objectif d'abord est la perte des graisses. J'ai une dizaine de kilos à perdre avant de commencer à construire du muscle. Ce n'est pas une très très bonne idée non plus de faire que les cours collectifs, mais c'est déjà mieux. Est-ce que les cours collectifs sont un bon moyen de perdre la graisse? Ça dépend. Un cours collectif, selon ce que c'est comme cours et selon l'individu, brûle entre, je dirais, 300 et 500 calories. C'est correct. Et si tu fais ça deux fois par semaine, en fait du mois, ça te fait 3000 calories brûlées. Ce n'est pas assez pour donner des résultats visibles. Mais si avec tu as un déficit calorique, alors sans problème tu vas perdre de la graisse. Mais tu vas être flasque, tu vas avoir de la peau annexée et tu ne seras pas ferme. Et malheureusement, beaucoup me contactent pour du coaching après cette étape. Et c'est très dur après une bonne perte de poids de transformer un corps flasque à un corps plutôt ferme. Faire plus de 2 séances de cours collectifs par semaine n'est pas une bonne idée non plus pour la majorité d'entre vous. Car 1. À force de répéter certains gestes, surtout flexion de genoux avec les squats et ses variantes, vous risquez d'avoir des douleurs et tendinites au genou. Puis, il n'y a personne pour vous corriger si vous faites mal le mouvement. Et en plus, pendant ces cours, il y a certains mouvements que vous faites énormément et très peu d'autres. Du coup, ça crée des déséquilibres musculaires et donc des douleurs. Si tu aimes faire ces cours, il ne faut pas arrêter. Attention, je ne vous dis pas que ce n'est pas bon de faire les cours collectifs. Mais je vous dis que seul ne suffit pas et il y a largement mieux. Pas besoin de compliquer la vie sur le plateau de musculation. 3 à 4 exercices de base classiques avec des séries de 6 à 12 répétitions que tu essaies de faire de plus en plus chaque semaine suffit largement. Les cours abdos-fessiers sont une perte de temps. Tu prends deux femmes identiques. L'une fait deux fois par semaine des cours abdos-fessiers et l'autre deux fois par semaine dans son immeuble. Elle monte et elle descend les escaliers. Elle marche rapide pendant 30 minutes et une série de gainages. Devine qui aura plus d'abdos et fesses après 3 mois. Sûrement pas celle qui passe une heure à faire 3000 exos à la con. Et pourquoi ce genre de cours existe? Ça rapporte. Sache qu'une femme ne sera jamais trop musclée sans de la testostérone. Donc pas besoin de t'inquiéter pour ça. Tu peux continuer à faire tes cours collectifs, mais il faut absolument au moins une fois par semaine faire du squat lourd, du soulevé de terre lourd, du rowing, des pompes, développer épaules et step up avec du résistance. Ce sont ces exercices qui demandent beaucoup d'efforts qui vont vous transformer. Et ça prend du temps. Ce n'est pas en quelques semaines que vous allez avoir une énorme différence. En conclusion, faire que des cours collectifs n'est pas une bonne idée car 1. Ce n'est pas assez pour faire une différence et si tu essaies de faire trop, bonjour les blessures, les tendinites et les déséquilibres musculaires. Le top sera d'avoir l'alimentation qu'il faut, faire une ou deux heures de cours collectifs si tu aimes ça et en plus ajouter au moins une séance de musculation par semaine avec des exercices de base. Comme ça, tu vas non seulement perdre la graisse mais tu vas finir aussi par avoir un corps plus ferme. Merci et à la prochaine vidéo.